Si est une révélation qui a choqué, écœuré et mis en colère ses collègues de BFM TV. Début février, une enquête de la cellule Investigation de Radio France, menée avec le consortium Forbidden Stories, dévoile que le journaliste Rachid Embarki aurait volontairement donné de fausses informations à l'antenne de BFM TV, contre rémunération. Une manipulation du public dirigée par une agence de désinformation israélienne. Un scandale de soupçon d'ingérence qui a obligé Marc-Olivier Fogiel, directeur général de la chaîne d'information continue depuis 2019, à réagir publiquement. Au matin du 23 février, Marc-Olivier Fogiel a officialisé, dans un mail interne à BFM TV, le licenciement pour faute grave de Rachid Embarki. Le directeur général de la chaîne a promis de renforcer les contrôles internes pour permettre une meilleure sécurisation des processus d'intégration de contenu. Car Rachid Embarki a réussi à diffuser à l'antenne des séquences qu'il n'avait pas fait valider par sa hiérarchie. Ce cas isolé ne reflète en rien le travail exceptionnel et rigoureux exercé par les 250 journalistes de BFM TV, garantit Marc-Olivier Fogiel dans son mail interne. Scandale Rachid Embarki. Marc-Olivier Fogiel savait le licenciement pour faute grave de Rachid Embarki n'est pas la première mesure prise par Marc-Olivier Fogiel dans cette affaire. Dans son mail du 23 février adressé aux équipes de la chaîne, le directeur général de BFM TV dévoile avoir été alerté dès le début de l'année par les journalistes de Radio France enquêtant sur cette affaire. En conséquence, Marc-Olivier Fogiel avait décidé de suspendre de l'antenne le présentateur du journal de la nuit de la chaîne dès le 11 janvier. Il avait également commandité l'ouverture d'un audit interne. Ces investigations ont permis d'identifier plusieurs séquences, entre 2021 et 2022, qui ont été diffusées sans respect des process de validation et de la ligne éditoriale, précise également Marc-Olivier Fogiel dans ce même courrier électronique. Crédit photo, Jacovi de Moreau.